sur cette deuxième visioconférence organisée par l'École marocaine d'ingénierie pendant cette période de confinement, sous le thème « Le nouveau modèle de développement économique marocain, état des lieux et analyse ». Donc, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, en cette période bien difficile pour nous tous. Donc, merci pour votre présence donc, à cette conférence. Au nom de l'EMG, fondateur, direction pédagogique, étudiants, enseignants et personnel, je remercie vivement notre invité, M. Omar Benihia, qui va nous éclairer sur ce sujet d'actualité. Merci beaucoup aussi, Omar. Merci donc, à vous. On va bien sûr débattre sur les sujets d'actualité. Donc, le Maroc et son modèle économique actuel, les atouts du Maroc et ses réalisations aussi bien au niveau infrastructure qu'au niveau réglementaire. On va parler bien sûr des choix, des modèles qui nous sont offerts. Et puis, on va aussi aborder les effets de la crise économique mondiale actuelle, marquée par la pandémie COVID-19 et l'effondrement du prix du pétrole sur ce choix. Donc, certes, ça va être un débat très, très riche. Monsieur Benihia, est directeur associé du cabinet Ephesis Partners. Donc, il est spécialisé en management et transformation auprès des établissements et institutions financières, ayant son siège à Paris et présent au Maroc depuis 2015. Il faut savoir aussi que son bureau implanté à Casa couvre le Maroc, l'Afrique et le Moyen-Orient et accompagne aujourd'hui avec réussite les plus grandes banques et assurances de la région sur les problématiques. Les problématiques allant de la stratégie opérationnelle à la performance des processus et des projets, et bien évidemment en passant par le pilotage des risques. Merci beaucoup encore une fois, M. Omar. Merci à vous. Avant de vous passer la parole, je cède la parole à notre directeur général, M. Zouder, pour un complément. Et puis, pour la formulation des questions, j'invite nos participants à écrire leurs questions sur le chat. Donc, à vous la parole, M. Zouder. Merci, Mme Ouzani. D'abord, Ramadan Moubarak pour tout le monde. J'espère que tout le monde est bien confiné. Donc, pour revenir à la conférence d'aujourd'hui, donc je remercie ici Omar d'avoir accepté cette conférence. C'est un sujet très, très attrayant, compte tenu de ce que vit le Maroc et tous les autres pays du monde, compte tenu de l'impact de la pandémie actuelle sur tous les plans et surtout sur l'économie de chaque pays. Et donc, de ce fait, la conférence intéresse tout le monde pour savoir ce que sera la manière, si vous voulez, de voir l'économie du pays dans le futur. De ce point de vue, j'invite tous les étudiants, leurs parents qu'on a invités à participer de manière massive à cette conférence via leurs questionnements, comme l'a expliqué Madame Ouzani. Ils peuvent toujours écrire leurs questions, leurs points de vue, etc. Ils peuvent enrichir cette conférence par leur intervention. Donc, je remercie encore une fois Sir Omar et je lui donne la parole. À vous la parole, Sir Omar. Merci, merci beaucoup, Sizoka. Barakallahu fik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Madame Ouzani. Merci, Monsieur Ezhari. Merci, Professeur Souissi. Merci pour l'invitation. Madame Moubarak Saïd, à vous aussi. Monsieur Mesmiti, Inch'Allah. Et on espère que cette période-là, Inch'Allah, sera porteuse d'enseignements pour nous. Et pour l'économie marocaine, Inch'Allah. Donc, comme vous l'avez dit, on va essayer de présenter un peu
voilà, le sujet de la refonte de ce modèle de développement marocain. Et donc, on fera ça en deux temps. Un premier temps, on va vous présenter un peu le sujet. Et un second temps d'échange, on pourra échanger par rapport à cette présentation. Alors, ce que je vous propose, dans ce premier temps, on désactive les micros, comme ça on n'a pas des interférences ou des problèmes d'écho. Et une fois qu'on arrivera au débat, aux échanges, à ce moment-là, on réactivera les micros. Alors, l'idée aujourd'hui, voilà, c'est de vous parler de ce projet qu'on a initié au Maroc depuis déjà quelques années, qui est de faire une refonte du modèle de développement marocain. Donc c'est un sujet qui a traîné depuis quelques années, et cette année-là, il y a une commission qui a été nommée par le roi et qui travaille actuellement sur la définition d'un modèle de développement marocain. Nous, en tant que citoyens, on a le devoir de participer à ce genre de réflexion. En 2011, nous avons participé activement d'ailleurs, les citoyens ont participé à la réécriture de le mouvement du Maghreb, et là, 10 ans après, ben, on est au rendez-vous d'un nouveau jalon, c'est la définition de ce nouveau modèle de développement marocain. Donc, pour participer à cette réflexion-là, on va essayer tout d'abord de voir ce que c'est qu'un modèle de développement. Qu'est-ce qu'on définit dans un modèle de développement? C'est quoi le périmètre d'un modèle de développement? On va faire un benchmark avec les différents pays qui ont le même modèle de développement que nous actuellement. Et comment eux, ils ont déployé ce modèle-là. Par la suite, on va essayer de voir si ce modèle-là a été efficient. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un modèle qui nous permet de se développer? Et est-ce que d'ici une trentaine d'années, si on continue sur le même chemin, est-ce qu'on sera un pays émergent? Par la suite, on va essayer de voir c'est quoi les défaillances que les différents économistes, les études internationales ont démontré par rapport à ce modèle-là et par rapport au développement du Maroc. Et par la suite, on va essayer de voir les différentes contraintes qui vont stopper l'émergence de n'importe quel modèle de développement. Quel que soit le modèle de développement qu'on va définir, nous avons aujourd'hui des contraintes qui feront que ce modèle-là, on ne pourra pas le mettre en œuvre dans notre pays. Donc, on va commencer par la première question, qui est le modèle de développement. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de développement? Donc, un modèle de développement, c'est une cible, une vision qu'on va définir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de définir à quoi va ressembler le Maroc d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. On doit définir l'éducation, à quoi elle va ressembler, l'économie, la santé, l'ensemble des secteurs qui constituent notre pays, à quoi ils vont ressembler dans 30 ans. Donc ça, c'est une cible. Cette cible-là, elle doit être partagée par un ensemble d'acteurs politiques, institutionnels, gouvernementaux, non gouvernementaux. Donc, il y a une concertation qui doit être faite pour qu'il y ait une adhérence à cette vision-là. C'est-à-dire que cette vision-là doit être partagée avec le plus grand nombre d'acteurs pour faire en sorte que cette vision-là soit déployé dans les meilleures conditions et pour éviter toute réticence et tout frein au changement. Plus les gens adhèrent et plus la réticence et la conduite du changement se fait d'une manière plus innée. Une fois qu'on a une vision qui est partagée par tout ce beau monde-là, on va mettre en place un système de pilotage
qui va nous permettre de voir si la stratégie pour déployer cette vision-là est sur le bon chemin. Est-ce que d'ici 4-5 ans, les objectifs à moyen terme, est-ce qu'ils ont bien été atteints ou pas? Et pour cela, on doit définir ces objectifs-là. Donc, pour récapituler, on a besoin d'avoir une vision claire, partagée par tous, une stratégie qui permet de déployer cette stratégie-là, et bien sûr, un ensemble d'objectifs à moyen et à long terme qui nous permet de suivre l'évolution du déploiement de ce modèle-là. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va aller voir ce qui se passe au niveau du Maroc. Donc, quelques chiffres rapides que nous connaissons tous. Aujourd'hui, on est 35 millions d'habitants et on fait à peu près 120 milliards de dollars de PIB. On a un taux d'inflation qui est de 1,6, qui est un taux d'inflation qui est correct, on va dire, et un taux de croissance qui est assez faible, qui est de 2,5% cette année. Des investissements directs étrangers, c'est 3 milliards. Ces chiffres-là, on va essayer par la suite de les benchmarker par rapport à d'autres économies, d'autres pays, pour voir dans quel ordre de grandeur on se situe. Donc le Maroc, il a fait quelques choix, certains choix, qui sont l'ouverture. Donc on a signé un ensemble de conventions avec plusieurs pays. Tout d'abord, les pays européens, les pays arabes, la Turquie, les États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, on a les entreprises marocaines ont accès à 1 milliard de consommateurs. Il faut savoir en parallèle qu'il n'y a aujourd'hui que 6 000 et quelques entreprises marocaines qui exportent. Donc, il n'y a que 6 000 entreprises qui peuvent profiter de cette ouverture d'un milliard de consommateurs. Dans l'autre sens, un ensemble d'États, d'économies puissantes, plus ou moins puissantes, ont eux aussi accès au marché marocain et donc font concurrence à l'ensemble des entreprises établies au Maroc. Alors, quand on va analyser un peu l'économie marocaine, on va voir qu'elle a deux caractéristiques. La première, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'État-providence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un citoyen marocain ne travaille pas, l'État marocain n'est pas là pour se substituer à l'économie pour avoir assuré une fonction sociale. Deuxième point, c'est qu'on est sur une économie de marché. Le néolibéralisme se caractérise par une économie de marché. Cette économie de marché, elle est pilotée par l'offre et la demande. C'est un marché qui va s'autoréguler avec de la concurrence, plutôt que l'intervention politique. Donc, pour un ensemble secteur d'économie marocaine, l'État, bien sûr, a mis en place des garde-fous, et on va en parler par la suite, qui permettent de contrôler un peu ça, mais grosso modo, le plus gros du contrôle se fait via des mécanismes dits naturels qui sont la concurrence, plutôt que l'intervention directe de la politique dans l'économie. La deuxième caractéristique de notre modèle, c'est que c'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle keynésien. Donc c'est un modèle qui est qu'on va retrouver en Allemagne, en France, dans pas mal de aux États-Unis, qu'on appelle l'école de Chicago, qui permet de sa caractéristique principale, c'est que l'État il joue un rôle surtout pour la relance. Donc aujourd'hui, par exemple, ça c'est le meilleur exemple, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, le pays, l'économie marocaine est en état de pause, ou presque. L'État est aujourd'hui en train de réagir en mettant en place des mécanismes qui permettent de relancer l'économie, que ce soit de remettre des liquidités dans le marché à travers Banque du Maghreb qui va alimenter les banques qui elles-mêmes vont alimenter l'économie réelle, que ce soit à travers des incitations fiscales, un ensemble de mesures que l'État prend pour relancer l'économie.
La deuxième caractéristique de de cette école keynésienne, c'est que on va mettre en place une politique de stabilisation. On va stabiliser l'inflation, on va stabiliser le chômage, on va maîtriser l'emploi, et on va faire en sorte, l'État va faire en sorte d'activer des mécanismes qui auront comme rôle ou comme objectif voilà, de soutenir l'emploi et de maîtriser cette inflation-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces modèles-là, qui ont été le choix de notre économie, n'ont pas le même effet? On va prendre quelques exemples rapides qu'on va développer par la suite. Nous avons aujourd'hui quelques fondamentaux du libéralisme que nous ne respectons pas. Aujourd'hui, on va se définir comme étant une économie libérale. En témoigne le nombre d'accords de libre-échange qui a été signé, qui ont été signés par le Maroc. Mais en contrepartie, nous n'avons pas d'équité fiscale, c'est-à-dire que l'assiette fiscale aujourd'hui au Maroc est très restreinte. Les entreprises payant l'IS au Maroc ne dépassent pas les 5%. L'impôt est en majorité payé par les salariés, par l'IR et pas par l'IS. La gouvernance, la régulation des marchés, voilà, c'est des points qu'on retrouve dans tout les pays qui ont choisi le libéralisme et qui permettent au libéralisme de s'épanouir, voilà, ce modèle-là de s'épanouir. On va prendre l'exemple de pays qui ont choisi ce même modèle, bien sûr à quelques paramètres près, et qui ont eu des résultats qui ont été différents. Donc, le premier exemple et qui revient à chaque fois, c'est l'exemple de la Turquie. Donc la Turquie, c'est l'exemple de pas mal de pays. C'est l'un des rares pays qui a quadruplé son PIB en quelques années. C'est-à-dire entre 2002 et 2018, le PIB est passé de 200 milliards, qui est deux fois le PIB du Maroc, à 800 milliards, ou 700, presque 700 et quelques milliards en 2018. Nous, on est passé de 100 milliards à 120 milliards dans la même période. Eux, ils ont fait x4. Comment ils ont réussi cette prouesse économique? C'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne, elle a un environnement très favorable, pardon, la Turquie, elle a un environnement très favorable pour les affaires. Elle a des exportations qui sont très complexes, c'est-à-dire que le coût de complexité des produits exporté par l'entreprise turque est notable. Il mise beaucoup sur la R&D et il mise sur la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, c'est la 13e puissance mondiale. Ils font partie du G20. Ils ont des IDE, donc c'est les investissements directs étrangers de 115 milliards. Nous, on en a trois. Eux, chaque année, les pays étrangers, les économies étrangères vont investir 115 milliards dans leur économie, de dollars bien sûr. Et ils vont beaucoup se baser sur l'échange extérieur, c'est-à-dire que les échanges extérieurs, ils représentent aujourd'hui la moitié du PIB, à peu près. Alors, il y a quelques faits marquants de l'histoire économique de la Turquie, c'est que en 2010, la Turquie, elle a remboursé l'intégralité de la dette qu'elle avait pour le FMI. Donc la FMI, qui est le Fonds monétaire international, prête de l'argent aux États, et en contrepartie, il a un droit de regard sur les actions et les choix économiques et sociétales sociétés qui sont faites par ces pays-là. Il s'avère que la Turquie, en 2010, a remboursé toutes ses dettes vis-à-vis du FMI et qu'aujourd'hui, le FMI ne s'ingère plus dans les affaires financières et économiques du pays.
Le deuxième fait marquant de l'économie, de l'histoire économique turque, c'est que ils ont dévalué de 30% la valeur de la livre. On a dit que la Turquie, elle a beaucoup misé sur les exportations et les agences extérieures. Ils se donnent les moyens de le faire et donc du coup, ils vont dévaluer de 30% la livre turque pour doper les exportations et ça marche très bien. Le deuxième exemple qu'on va prendre est celui du Brésil. Donc c'est un peu différent parce que donc, le Brésil, il a des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. C'est aujourd'hui la 9e puissance mondiale. Donc ça, ils font partie aussi du G20. Et ils ont un PIB de 1900 milliards, donc c'est le 9e plus gros PIB au monde, et ils sont 200 millions d'habitants. Donc ce pays-là, il a commencé à s'industrialiser entre les années 60-70, c'est-à-dire qu'après, entre les deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, le Brésil, il a opté pour une industrie forte. Donc, il a développé la sidérurgie, l'automobile, l'aéronautique, la pétrochimie dans les années 70. Et donc, du coup, vers les années 80, ils ont commencé à développer la partie énergie. Et donc, eux, ils développent l'éthanol. C'est un combustible qui est fait à base de canne à sucre. D'ailleurs, c'est le premier producteur mondial. Et une grande partie des voitures, des automobiles qui circulent au Brésil roulent grâce à l'éthanol. Et le pays a aussi découvert de grands gisements pétroliers. Donc à la fois, ils ont l'énergie verte grâce à l'éthanol et ils ont des gisements pétroliers. Entre les années 80-90, ils ont eu un phénomène d'inflation énorme. Et leur monnaie, elle s'est dévaluée à plusieurs reprises. Et ça a créé un grand déséquilibre au niveau de l'économie brésilienne. Jusqu'aux années fin 90, donc les années 99-2000, où le Brésil a retrouvé son chemin de croissance. Et aujourd'hui, il fait partie des BRICS. Donc les BRICS, c'est les pays émergents. Donc c'est la Russie, donc le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et donc, c'est les pays qui vont demain remplacer les puissances actuelles établies. Donc, voilà. Donc là, on a pris l'exemple de pays qui sont sur un modèle libéral, qui ont réussi à développer, à doper leur économie avec des paramètres, on va dire, plus ou moins différents. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que, est-ce que nous, avec notre modèle qu'on a défini, les différents paramètres du modèle qu'on a défini, est-ce qu'on a un modèle qui est efficient? Donc ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. On veut aujourd'hui, le roi demande aujourd'hui à ce qu'on revoie le modèle actuel de développement. Est-ce que ce modèle qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle efficient? Donc, pour répondre à cette question, on va avoir deux sous-questions. La première question, c'est est-ce que si on continue comme ça, est-ce qu'on va devenir un pays émergent en l'espace d'une génération? C'est-à-dire, d'ici 30 ans, est-ce que le Maroc va devenir un pays émergent? Avec le modèle actuel, est-ce qu'on arrivera demain à devenir un pays émergent? Alors, pour répondre à la question, il y a deux axes d'analyse. Donc le premier axe d'analyse, c'est le revenu intermédiaire. C'est quoi le revenu intermédiaire? C'est le PIB par habitant. Aujourd'hui, le PIB par habitant du Maroc, il est de 2 800 $. Pour devenir un pays à revenu intermédiaire élevé, on doit arriver à 8 000 $. Donc,
à titre d'exemple, l'Algérie aujourd'hui, ils sont à 4 500 $ par habitant. La Tunisie, ils sont vraiment presque à 4 000 $. La Jordanie, ils sont à 3 700 $. La Turquie, qu'on a évoqué il y a quelques instants, ils sont à 10 000 $. Le Brésil, il est à plus de 8 000 $. Nous, aujourd'hui, on est à 2 000 $. C'est un PIB par habitant qui est très faible. Demain, si on veut se développer, il faut que ce PIB-là arrive à 8 milliards. Le deuxième axe d'analyse, c'est l'indice de développement humain. Donc, l'indice de développement humain, aujourd'hui, il est à 0,6. Un pays dit émergent est censé avoir un indice de développement humain qui est aux alentours de 0,75. Donc, est-ce que, avec le modèle qu'on a aujourd'hui, on va arriver à un PIB qui est égal à 8 000 $ par habitant par an? Et est-ce qu'on va arriver à un indice de développement de 0,7 à la place de 0,6? Donc, on va attaquer le premier axe. Alors, comme vous pouvez le voir, le PIB par habitant au Maroc, il a très, très peu évolué les 20 dernières années. Là, le graphe montre de 2008 à 2018, sur les 10 dernières années, mais si on va encore plus loin vers les années 2000, on a été toujours dans un voisinage de 2 000 à 2 500 $ par habitant. Contrairement à d'autres pays où l'évolution du PIB par habitant a beaucoup évolué. On voit ici l'exemple de la Chine et de la Turquie, de la Tunisie aussi, mais on a des pays qui ont régressé comme le Liban, suite à une instabilité politique et aussi quelques guerres qu'ils ont subies. Donc, si on veut demain arriver à 8 000 $ par habitant, on doit avoir un taux de croissance pendant les 20 prochaines années de 5%. Si on veut arriver à ce chiffre-là dans 30 ans, on doit avoir un taux de croissance de 3%. Donc, il s'avère qu'il y a un modèle économique qui s'appelle le modèle de croissance de Solow, qui dit que un pays, il a un rythme de croissance qui va se réduire au fur et à mesure qu'il se développe. C'est-à-dire que c'est pour ça que les courbes de croissance, ben, ils vont avoir des tendances ascendantes et par la suite des tendances descendantes, parce que la croissance elle va s'essouffler à un moment donné, on va arriver au plein emploi, on n'aura plus beaucoup de leviers de croissance et ça va chuter, et ainsi de suite, ça va repartir par la suite à la hausse, etc. La deuxième hypothèse, c'est par rapport à l'inflation. L'inflation sur 25-30 ans va faire que si aujourd'hui on considère que un revenu moyen supérieur il y a 8 000 $, dans 20 ans, avec une inflation de 2%, on va être à plus de 12 000 $. Et donc du coup, si on veut arriver à 12 000 $ par habitant dans 20 ans, il faut que l'économie croît à 7%. La vérité, c'est que l'économie marocaine est très loin de ces taux de croissance. On est beaucoup plus sur des taux de croissance entre 2 et 4% sur ces dernières années. On est très loin des 5 et 7% pour arriver à ces 12 000 $ d'ici 20 ou 30 ans. Le deuxième point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est par rapport à l'IDH. Donc l'IDH du Maroc, c'est l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, ce qui permet de voir est-ce qu'il y a un développement humain au sein du Maroc. Comme vous le savez tous, le Maroc aujourd'hui est classé 120e dans le classement mondial des IDH. Il y a eu une croissance entre les années 80 et les années 2000 qu'on va analyser par la suite. Mais est-ce que cette croissance-là, elle va nous permettre d'atteindre ce seuil fatidique des 0,75%? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 60, donc après les indépendances des pays, les pays asiatiques,
ils étaient à des niveaux de développement humain inférieurs à ceux du Maroc. Aujourd'hui, ces pays-là, asiatiques, et là on parle de la Malaisie, entre autres, qu'on va développer par la suite, aujourd'hui, la Malaisie, elle a un indice de développement humain qui est largement supérieur au 0,75% nécessaire pour être considéré comme étant un pays émergent. Deuxième point, c'est que le niveau de développement humain du Maroc est inférieur à ce que offre l'économie. C'est-à-dire par rapport à des économies comparées qui sont au même niveau que le Maroc, on a des indices de développement humain qui sont supérieurs à celui du Maroc. Et bien sûr, il y a des pays qui sont sous-développés économiquement par rapport au Maroc, mais qui ont des indices de développement humain qui sont supérieurs à celui du Maroc. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui compose l'IDH. L'indice de développement humain, c'est tout simple. C'est trois axes. Le premier axe, c'est l'espérance de vie, et qui compte pour un tiers. Le deuxième axe, c'est l'éducation, c'est-à-dire un tiers. Et le troisième axe, c'est les revenus par habitant, et c'est aussi un tiers. Donc, si on veut instancier ça par rapport au cas marocain, l'espérance de vie, aujourd'hui, au Maroc, on est sur une espérance de vie de 71 ans, qui est une espérance de vie correcte. Et donc, du coup, on a un taux de 0,76% qui est nécessaire, qui est bon, et qui est comparé aux autres pays, c'est un indice qui est honorable. Le deuxième point, c'est l'indice d'éducation. Donc, comme vous le savez tous, on a un taux d'analphabétisation qui est très haut. Aujourd'hui, il est à 32%. On espère que ce taux va passer à 10% d'ici 2026. Donc, l'État a mis en place un ensemble de chantiers, de stratégies pour que l'alphabétisation se développe au Maroc. Mais aujourd'hui, on est à 0,5. Le troisième indice, c'est le revenu par habitant, et on est à 0,6 parce que le revenu par habitant, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est corrélé, le PIB par habitant et l'IDH sont très faibles. Aujourd'hui, on est à 2000 dollars par habitant par an, et on doit arriver demain à 8000. Donc aujourd'hui, on est au-dessous des indices de revenus par habitant au niveau mondial. On est mal classé. Donc, ce qu'on peut conclure aujourd'hui par rapport à l'IDH, c'est que on aura du mal, si on continue comme ça, à avoir un indice de développement qui frôle les 0,75% d'ici 20 ans. Tout comme le PIB par habitant, aujourd'hui, malgré les différentes stratégies qui ont été prises par le Royaume, c'est mal parti pour la génération à venir. C'est-à-dire que d'ici 30 ans, si on continue comme ça, on va se retrouver avec un indice de développement humain qui est largement en deçà d'un idéal d'un pays en voie de développement ou d'un pays émergent. Donc, pour conclure, le PIB par habitant n'est pas bon et sur les 30 prochaines années ne sera pas bon non plus. L'IDH n'est pas bon et sur les 30 années, dans les 30 prochaines années, d'ici une génération, on ne pense pas qu'il va arriver à ce 0,7%. Donc, pour répondre à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, pour savoir est-ce que le Maroc, s'il continue comme ça, il peut devenir un pays à revenu intermédiaire ou un pays émergent d'ici 30 ans? La réponse est non. Donc la deuxième question qu'on se pose, est-ce que avec les différentes stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement, la stratégie sectorielle, la stratégie d'offshoring, la stratégie de Maroc vert, etc., est-ce qu'on est aujourd'hui sur la bonne voie pour devenir un pays émergent? C'est-à-dire, est-ce que nous, aujourd'hui, on a mis en place des stratégies
Mais cette stratégie, le résultat, il n'est pas encore au rendez-vous. D'abord, ça ne se passe pas très bien. Et dans quelques années, potentiellement, avec tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'industrie automobile, le phosphate, l'offshoring, on va avoir des résultats qui sont meilleurs. Donc, pour répondre à cette question-là, il y a certains économistes qui ont développé ce qu'on appelle la théorie des épisodes d'accélération de croissance. Donc, ces trois économistes, c'est Dani Rodri qui est un Turc, Lankinsett qui est un Américain et Ricardo Osman qui est aussi un Américain d'origine latino. Donc, ces trois chercheurs-là, ces trois économistes qui sont très connus, ils ont développé la théorie des épisodes d'accélération de croissance. Ils ont dit, un épisode d'accélération de croissance, c'est quoi? C'est pendant 8 ans, l'économie d'un pays, elle va croître avec un taux qui dépasse les 3,5%. Que le différentiel soit moins de 2%, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de variations, et que à la fin de cette période-là, le PIB il a évolué. Je m'explique, c'est-à-dire que imaginons qu'on a un PIB de 100 milliards et qu'on a une période de croissance et que ce PIB-là arrive à 110 ou 120 milliards parce qu'on a une croissance soutenue, on a une crise et le PIB redescend aux 100 milliards qu'on avait avant la croissance. Donc, à d'où les trois critères qui nous permettent de savoir, d'identifier ce qu'on appelle un épisode de croissance, d'accélération de croissance. Et c'est grâce à ces épisodes-là qu'une économie se développe, qu'un pays se développe. Donc, Roumains, ils ont fait une étude entre les années 58 et 2005, et ils ont trouvé que les épisodes de croissance ne sont pas si rares que ça, et qu'il y en a plus de 83 périodes de croissance sur les différentes économies. Quand ils ont analysé le cas du Maroc, ils n'ont identifié qu'un seul cas de croissance, et de cas d'accélération de croissance, pardon, c'est juste après l'indépendance du Maroc. Donc, pour illustrer tout ça, on va essayer de prendre un exemple qui est celui de la Malaisie. Donc, le graphe que vous avez ici, c'est la croissance du PIB de la Malaisie. Juste avant d'analyser le graphe, on va essayer tout d'abord d'avoir un petit aperçu sur l'économie de la Malaisie, ou sur le cas de la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays qu'on peut comparer au Maroc, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une monarchie, tout comme le Maroc. C'est un pays qui a eu son indépendance en 57, donc presque au même moment que le Maroc. Et c'est un pays de 30 millions d'habitants. Donc, sur le papier, on a plus ou moins les mêmes caractéristiques démographiques et politiques que la Malaisie. Sauf que la Malaisie, aujourd'hui, ils ont un PIB de 300 milliards. Donc, leur PIB, c'est trois fois le PIB du Maroc. D'autant plus qu'ils ont un IDH de 0,8 points. L'indice développement humain dialogue, il est de 0,8. C'est-à-dire qu'en Malaisie, on vit bien. On a une bonne espérance de vie, on a accès à l'éducation et on a des revenus qui sont sympathiques. Alors, comment la Malaisie est arrivée à ce niveau-là? Les années 70, la Malaisie, elle a défini une stratégie à court terme pour développer son économie. Elle a appelé ça la New Economic Policy, la NEP. Elle s'est dit, on va prendre 5 ans pour mettre en place une planification de l'économie et pour développer l'agriculture et le monde rural. Je maintiens à planifier l'économie, c'est-à-dire que tout doit être planifiable. Le nombre d'écoles doit être planifiable, le nombre de lits faits hôpitaux doit être planifiable, le nombre de postes à créer doit être planifiable, on planifie tout.
Et ça a permis de mettre à niveau l'économie malaisienne. Une fois qu'ils ont atteint le résultat, 5 années plus tard, ils ont lancé un deuxième plan de stratégie. Chinois, deuxième plan de stratégie, il se base sur une doctrine qui est très simple, c'est qu'on va s'endetter pour financer l'investissement et la politique sociale. Mais c'est l'État, il va creuser dans le déficit pour pouvoir investir et créer de la valeur pour rembourser ses dettes. Et par la même occasion, elle a beaucoup misé sur le développement humain, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain. Et elle a réussi grâce à ça de mettre à niveau son économie et d'avoir une économie qui est assez solide. Dans les années 85-86, la deuxième moitié des années 80, ils se sont lancés dans le libéralisme, ce qu'on a fait nous aussi. Sauf que eux, ils se sont préparés depuis les années 70 à ce virage vers le libéralisme. C'est-à-dire qu'ils ont privatisé, ils ont fait appel à de l'investissement étranger, ils ont développé l'industrie, ils ont développé l'exportation. À savoir, avant les années 70, la Malaisie, elle exportait le caoutchouc et l'étain. C'était les deux matières qu'elle exportait. Et une fois arrivé aux années 86 et que l'économie a été mise à niveau, ils ont beaucoup diversifié leurs exportations et maintenant on exporte de la nouvelle technologie, du service, des services financiers. Et maintenant ils ont aussi découvert du pétrole, pas en quantité suffisante, mais ils ont des réserves de pétrole quand même. Il y avait un fait marquant, l'économie en Malaisie, c'est que en 98, ce qu'on va voir ici sur le graphe, en 98, ils ont eu une grosse crise. Et l'économie, elle a presque baissé de 8 points. Ils ont fait moins 8%. Et quand ils ont fait ça, le FMI il est venu. Le Fonds monétaire international, il a proposé d'aider la Malaisie pour pouvoir sortir de cette crise-là. La Malaisie est l'un des rares pays qui a refusé le plan de sauvetage du FMI et qui s'est plus basé sur de l'emprunt intérieur pour pouvoir sortir de la crise. Et ça les a beaucoup aidés, parce que quelques années plus tard, ils ont retrouvé leur croissance. Donc pourquoi on a évoqué le cas de la Malaisie ici? Parce que c'est un cas très, 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 très scolaire pour étudier les épisodes d'accélération de croissance. Donc là, on en a deux. C'est les deux que j'ai entourés en vert. Donc le premier, entre les années 76 et 84, donc c'est un épisode qui dépasse les 8 ans et qui est très soutenu. Donc on est entre 11 et 7%. On est descendu à 6%, mais on n'est jamais descendu au-delà des 6%. Et donc ça a duré plus de 10 ans. Après, bien sûr, l'économie va s'essouffler et ils vont faire une petite récession d'un an et après ils vont repartir à la hausse. Mais le PIB a gagné pendant cette période-là, donc il a bien augmenté. La deuxième phase, c'est entre les années 88 et 97, c'est là où la Malaisie est là, donc elle s'est ouverte à l'étranger elle a choisi de libéralisme. Et donc l'économie, elle a augmenté entre 88 et 97, entre 9 et 7%. Donc, après, bien sûr, il y a eu la crise en 98, mais juste avant, il y avait une période de croissance qui était assez intense. Donc, on va essayer de garder ça en tête et on va essayer de comparer ce qui s'est passé en Malaisie entre les années 60 et les années 2015-2020 avec ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Donc ça, c'est le cas du Maroc.
Donc, si on prend deux secondes pour analyser ce graphique-là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on a une croissance économique qui est caractérisée par une évolution en dents de scie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on fait une croissance, on fait une récession, on fait une croissance, on fait une récession, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en dents de scie, ce n'est pas stable. Et ça, c'est dû à la corrélation entre l'économie, l'évolution, le développement économique du Maroc et les effets de sécheresse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'économie marocaine dépend très fortement de la pluviométrie, de Moulach. Deuxième élément, c'est que quand on compare les années 2000, 2000-2020 et la période entre 60 et 2000, on avait une grande volatilité. C'est-à-dire que on avait, par exemple, si on prend l'année 96, l'économie, elle a fait plus 12%. Un an après 95, on a fait moins 5%. Et ça, c'est typique d'une économie qui n'a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des plateaux. On est dans des extrêmes, imma supérieur ou inférieur, et on a du mal à faire un plateau ou une période de croissance qui va s'étaler sur plusieurs années, comme ce qui a été le cas pour la Malaisie. Donc, ce qu'il faut, donc si on reprend la théorie qu'on a évoquée tout à l'heure de Roderick et Pritchett et Haussmann, on trouve que à part la période post-colonialiste où il y avait une période faste entre les années 58 et 66, où le Maroc il s'est développé parce qu'on démarrait de très loin, à part cette période-là, on n'a aucune période de croissance soutenue sur plus de 8 ans. Les années 2000, il y avait une conjoncture internationale qui était positive, qui était une conjoncture de croissance. Le Maroc, on en a profité, mais pas autant que les autres économies, et on a fait du 4 et 3,5% entre les années 99 et 2008. Il y avait le boom des années 2000, etc. Donc, pour résumer, quand on analyse l'évolution de la croissance du PIB au Maroc, on n'a pas de période de croissance soutenue. On est aujourd'hui sur une période, une tendance linéaire baissière, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et donc, si on veut corréler ça avec le modèle de développement, le sujet vient aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on va dire qu'on n'est pas sur le bon chemin pour se développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stratégies qui ont été mises en place ne peuvent pas justifier aujourd'hui que demain les choses vont changer d'une manière radicale et que demain on va devenir un pays émergent et qu'on est vraiment sur un modèle qui s'essouffle. Pour conclure, le Maroc il a vraiment raté la phase des années 90 où un ensemble de pays comme la Turquie, la Malaisie, le Brésil, ils ont eu un développement qui est très soutenu. Et le Maroc, il y a eu un développement qui était très, très faible, qui était de l'ordre de 0,5%. C'est-à-dire que pendant les années 80, on avait un problème de stabilité, y compris politique, et malgré cela, les années 80, on avait un développement économique qui était supérieur aux années 90. En sachant que pendant les années 90, un ensemble d'économies a pu se développer. Donc, c'est pour analyser les années 80-90. Maintenant, on va aller aux années 2000. Il s'avère qu'il y avait des circonstances externes qui étaient favorables. Donc, entre les années 2000 et 2010, on avait un taux de croissance qui était entre les 4 et 4,5%. À partir de l'année 2010, ça a un peu baissé. Et on est sur une tendance linéaire à la baisse. Ceci dit, tout n'est pas noir. Bien sûr, on a réussi deux choses.
La première, c'est que la croissance n'est plus aussi volatile comme avant. Elle a toujours les dents de scie, mais les kilos en plus, elle a baissé. C'est-à-dire que maintenant, l'économie marocaine, elle va faire plus 3%, plus 2%, plus 4%, plus 5%. Ça va rester, on va dire, stable. Ça s'atténue un peu, parce que là, on va faire du 2,5% en 2019, mais c'est plus volatile. Et ça, c'est intéressant à noter. Et pendant la dernière décennie, les années 2000, on a fait mieux que les années 90. C'est vrai que maintenant, la décennie de 2010-2020, mais les années 90, c'est très faible. Vraiment, c'est très faible. Entre 90 et 2000, on était sur du 0,5%. D'abord, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse et on va essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui un modèle qui est défaillant. C'est quoi les défaillances du modèle actuel? C'est-à-dire, les grandes lignes du modèle, elles sont bonnes. Le libéralisme, le néolibéralisme, c'est quelque chose qui peut marcher, ça marche ailleurs, et que pour nous, ça ne marche pas. Donc, il y a bien des défaillances. Quelles sont ces défaillances? Tout d'abord, on va traiter l'aspect politique. On va voir comment la politique elle peut aider à freiner ou plutôt à accélérer le développement économique. Donc il y a deux écoles. On a l'école de Goulag, il y a la démocratie, ou l'école Tiania, c'est l'autocratie. L'autocratie, c'est pas le despotisme, et c'est pas la dictature. Hein. L'autocratie, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong. L'autocratie, c'est quoi? C'est on va avoir une politique qui va piloter l'économie. Et donc, ce qu'on appelle une autocratie forte. C'est-à-dire qu'on va avoir un régime politique qui s'ingère dans l'économie et qui permet de piloter l'économie. Là, on voit le modèle autocratique. Après, on a un deuxième modèle qui est le modèle démocratique. C'est le modèle de Singapour. On a pris deux modèles asiatiques comme ça. L'exemple, il est pertinent. Où on va avoir un gouvernement qui va avoir un projet clair, qui va être élu démocratiquement et qui va mettre ça en place. D'un point de vue économique, les deux se valent. On met en place une démocratie ou une autocratie, les deux permettent d'avoir un développement économique. La preuve est qu'aujourd'hui, à Hong Kong, on a une économie qui est très forte. Aujourd'hui, en Chine, on a une économie qui est forte. Dans plusieurs pays asiatiques, qui ne sont pas forcément des démocraties, qu'on va plus identifier comme étant des autocraties plutôt, on a des résultats qui sont positifs. Ceci étant, le choix marocain, il s'oriente plus vers une démocratie. D'ailleurs, ce qui s'est passé en 2011 a plutôt renforcé ce choix démocratique du pays du Maroc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré ce choix démocratique, on est sur une organisation politique qui ne permet pas l'essor de l'économie? Donc, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est hétérogène. Et depuis 2011, on arrive à avoir des gouvernements qui sont très hétérogènes d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'on va avoir des courants de droite, des courants de gauche, des courants de centre qui vont se réunir dans ce gouvernement et qui ne nous permettent pas d'avoir une gouvernance économique claire avec une cible économique qui est claire. Parce que, je prends des exemples au hasard, dans la santé, on va aller sur un modèle social où l'État elle va développer la santé pour l'ADA, elle va mettre en place le RAMES. L'éducation, on va plus avoir une politique de privatisation. Le commerce extérieur, on va s'ouvrir vers des pays, à tenir après sur d'autres. Voilà. On va avoir des politiques économiques divergentes
par secteur. On n'a pas une ligne directrice ou une politique économique claire qui rentre dans un modèle économique ou un modèle de développement de manière globale qui soit clair. Pourquoi? Parce qu'on a une politique qui est ou un gouvernement qui est hétérogène avec des sensibilités politiques qui sont différentes, ce qui est normal. Quelqu'un qui est communiste ne va pas être d'accord avec quelqu'un qui est plutôt libéral. Un socialiste ne va pas forcément être d'accord avec quelqu'un qui est conservateur. Voilà, donc on a ces différents courants au sein d'un même gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la gouvernance économique, elle est impactée par cet état des lieux. Donc ça, c'est par rapport à l'état de la politique. Après, on a un deuxième point qui est la politique économique. La politique économique extérieure du Maroc, elle se caractérise par une forte dépendance. C'est vrai que depuis les dernières années, on parle beaucoup des accords sud-sud, du développement de l'économie du Maroc vers l'Afrique, et que c'est un levier de croissance nouveau, donc qui est les pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, avec lesquels on a des liens historiques et des liens très forts. Ceci étant, aujourd'hui, les gros clients du Maroc et les gros fournisseurs du Maroc sont la France et l'Espagne. 40% des clients du Maroc, c'est la France et l'Espagne. C'est-à-dire que si aujourd'hui la France décide de ne plus acheter du Maroc, l'économie du Maroc elle s'écrase. De même pour l'Espagne. Et d'un autre, encore une fois, c'est nos plus grands fournisseurs. Si demain ils ne nous vendent plus les machines, ils ne nous vendent plus la technologie, on aura du mal à continuer à nous développer. Ce qui n'est pas le cas pour eux. C'est-à-dire que pour la France, on n'est pas ni son premier client, ni son premier fournisseur. De même pour l'Espagne. Et donc, par contre, les pays africains n'apparaissent pas comme étant aujourd'hui ni de grands fournisseurs, ni de grands clients. Donc, on développe une grande dépendance vis-à-vis de certains pays. Aujourd'hui, très clairement, c'est l'Europe, la Chine et grosso modo, l'Europe et la Chine et un peu les États-Unis, qui fait de nous aujourd'hui un pays périphérique, qui dépend d'un centre. Donc aujourd'hui, le centre, c'est l'Union européenne. Maintenant, on est un pays périphérique. Si on veut prendre un exemple, c'est comme si on avait une multinationale, une grande multinationale, qui avait une filiale. Et cette filiale-là, elle ne représente pas un grand pourcentage du chiffre d'affaires. Je ne sais pas, on va prendre McDonald's. Elle est présente partout dans le monde et elle a une filiale au Maroc. Si demain la filiale au Maroc elle ferme, ça ne va pas forcément impacter la maison mère. Pourquoi? Parce que la maison mère, ben, elle s'est développée ailleurs. Ben, aujourd'hui, on est le pays périphérique par rapport à un centre qui est l'Union européenne, qui est la Chine, avec qui on a développé une forte dépendance, y compris dans les investissements directs étrangers. Tout à l'heure, on a parlé de 3 milliards, les IDE, et 3 milliards des IDE, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est la Chine, et c'est quelques pays du Moyen-Orient. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, notre politique économique, elle a fait des choix qu'on a assumés pendant plusieurs années. C'est de s'orienter vers l'ouest, vers le nord, donc les pays développés. Aujourd'hui, on essaie de se diversifier, mais la stratégie, la politique actuelle ne permet pas de se débarrasser de la dépendance qu'on a développée vis-à-vis des pays européens. Donc, ça, c'est pour analyser la politique qui peut être un frein au développement économique. Donc, la structure politique est un frein parce qu'on ne peut pas avoir une bonne gouvernance économique et parce que les choix politiques qui ont été faits nous pénalisent aujourd'hui et fait de nous un pays dépendant d'autres pays. Le deuxième axe d'analyse, c'est la structure sociétale.
Donc, c'est l'élite marocaine, l'égalité des chances et la polarité. On va commencer d'abord par l'élite. L'élite marocaine, c'est qui? L'élite marocaine, c'est l'élite qui va nous gouverner, qui va tenir l'économie, qui va tenir les partis politiques, qui va tenir les ONG, qui va tirer ou pas le pays vers le haut, ou pas d'ailleurs. Donc, c'est une élite qui est assez hétérogène, ce qui est, on va dire, normal, qui a plusieurs appétences politiques, donc des appartenances à des courants qui sont très différents, qui a des, comment dire, un lien qui est assez étroit avec les régions d'origine. On parle d'élite Fassi, Soussi, Casablancaise, Rifi, Rabaté, etc. Donc, c'est des, jusqu'à présent, on segmente l'élite marocaine selon son appartenance, qui est d'ailleurs une honte, qui a une référence idéologique qui est ou orientée vers l'Europe et donc occidentale, ou plutôt orientée vers l'Orient, plutôt vers le, ce qui est, on va dire, Moyen-Orient, etc., qui a un rapport différent du fait religieux, et qui a un rapport aussi linguistique différent. Selon la langue qui est choisie, l'élite n'est pas la même. Une élite qui va s'exprimer en arabe n'est pas la même qui va s'exprimer en langue berbère, n'est pas la même qui va s'exprimer en français, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que cette élite-là, elle est très segmentée, et ça va dans tous les sens. Ça, c'est un état des lieux. Après, cette élite-là fait qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui l'élite est assez hétérogène, c'est par rapport à l'égalité des chances. Aujourd'hui, on a un sujet qui est l'égalité des chances, et que aujourd'hui la mobilité ascendante, c'est-à-dire qu'une personne qui appartenait à une classe politique et veut devenir demain une élite, cette ascendance cette mobilité ascendante ou cet ascenseur social ne marche pas vraiment. Bien sûr, ça dépend de la qualité de la formation, de l'expérience professionnelle, de l'appartenance socio-professionnelle des parents. Mais il faut quand même souligner que à peine 5-6% des enfants d'ouvriers deviennent cadres demain, et c'est encore moins pour les enfants des agriculteurs. Très peu d'enfants d'agriculteurs deviennent cadres. De mémoire, c'est moins de 3%. Et moins du tiers de la population marocaine va changer de statut social. C'est-à-dire, entre deux générations, les enfants vont avoir un statut social meilleur que celui de leurs parents. Il s'agit d'un tiers. Il y a un économiste qui a essayé de formaliser tout ça, qui est Gini. Donc il a développé ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités des revenus entre les pays. Je me rappelle, c'est 0,4. On est à 0,4. L'Égypte, par exemple, c'est 0,3. L'Algérie, c'est 0,3. Le Brésil, où il y a beaucoup de différences, beaucoup d'inégalités sociales, on est à 0,6. Voilà. Donc c'est un mauvais exemple. Dans ce cadre-là, c'est un mauvais exemple. Et pour nous, on peut dire que c'est assez alarmant, parce que on a une structure rurale du pays qui fait que ça fragmente le pays encore plus. Et on a une deuxième loi économique, qui est la loi de Kuznet. Kuznet, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'un pays qui est sous-développé, il n'a pas de problème d'inégalité, parce que on va caricaturer un peu, tout le monde est pauvre. Et donc, on n'a rien à partager. Tout le monde est dans la même situation de pauvreté. Après, les pays développés, ils ont mis en place des mécanismes pour redistribuer la richesse. Ou mal les impôts, ou mal les dividendes pour les actionnaires, ou mal la sécurité sociale pour les salariés, etc. Donc, entre ces pays développés et des pays pauvres, il y a le Maroc, où on n'a pas une structure qui nous permet de redéployer les richesses et donc d'assurer une égalité des chances, et on n'est pas un pays seulement pauvre où c'est zéro pour tout le monde.
Donc, il y a une classe politique ou une classe économique qui a les moyens, une autre qui n'a pas du tout les moyens, et on n'a pas les mécanismes aujourd'hui pour pouvoir activer l'ascenseur social pour que ces gens-là puissent changer de statut social demain. Donc, c'est par rapport à d'un point de vue sociétal. Et quand on analyse la société, on a un effet de polarisation. D'ailleurs, c'est marrant, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, c'est un sujet d'actualité, où on parle beaucoup de la polarisation de l'éducation publique et privée. Quand on parle de l'école primaire, la secondaire, elle est vue aujourd'hui comme étant un ennemi par la population marocaine, par une partie de la population marocaine. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce que hier, l'éducation, elle pesait 3% des dépenses d'un ménage, et aujourd'hui, c'est 7%, c'est 7 points. Donc du coup, entre 2010 et 2014, en quelques années, le poids de l'éducation est devenu tellement lourd que c'est vu aujourd'hui comme étant un ennemi, et pas comme étant un levier qui va permettre au pays de se développer, de combattre l'analphabétisme, de combattre l'échec scolaire. On est en train de polariser ça. Il y a l'éducation publique contre l'éducation privée. Ce modèle-là, on a le même pour la santé. Donc la santé publique et privée, donc c'est la même chose. Ça s'explique comment? Parce que hier encore, on avait un système de santé qui était plus égalitaire, on va dire. Après, les politiciens ont décidé de généraliser ce qu'on appelle la RAMET. La RAMET qui permet l'accès aux soins à des populations qui sont vulnérables aujourd'hui, qui n'ont pas accès aux soins. On a fait un pilote au niveau d'une région, et ce pilote-là a démontré qu'il fallait mettre à niveau la structure médicale avant de déployer le RAMET partout dans le Maroc. Ça n'a pas été fait, et le déploiement a commencé. La généralisation de la RAMET a été faite. Et on a opté pour paralléliser la généralisation du RAMET et la mise à niveau du système de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le système de santé se développe, mais l'état actuel fait qu'il est dans un état délabré. Et qui prend le relais, c'est le secteur privé. Le secteur privé qui va capter toutes les personnes solvables. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin d'être riche pour aller soigner dans une clinique, elle doit juste être solvable pour aller s'orienter vers une santé privée et pas une santé publique. Alors, pour ce modèle de polarisation, quand même entre le milieu urbain et rural, on en a parlé tout à l'heure. En milieu rural, aujourd'hui, on a toujours presque 50% d'analphabétisme. Et on n'a que 20% du milieu urbain. C'est-à-dire que dans le milieu urbain, on était à 50% il y a quelques années aussi. On a fait des efforts, on est passé à 20%. Le milieu rural, on a fait des efforts, mais ce n'était pas le même résultat. Et le dernier point, c'est tout ce qui est l'offre de logement, où on a essayé de réduire le déficit de logement. Donc, à Fumarebe, il y avait un grand déficit de logement qui faisait qu'il y avait beaucoup de maisons insalubres, de bidonvilles qui se développent dans ce pays, dans leur pays, et qui fait qu'on avait plus d'un million de déficit de logement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va aider des entrepreneurs à donner une offre de logement social à des prix définis par l'État. C'est bien. Sauf que ces logements sociaux ont été construits dans des périphéries urbaines sans forcément avoir des moyens de transport adéquats, ce qui ne permet pas une inclusion économique parce que ces gens-là, ils ont besoin de venir pour travailler, et encore moins l'inclusion socioculturelle. C'est-à-dire qu'il y a moins d'écoles là-bas, qu'il y a moins d'infrastructures culturelles et autres. Et donc, c'est vrai que le déficit en logement, il a beaucoup baissé, mais on a créé une polarisation entre cette population qui va vivre
dans ces logements-là et le reste du pays. Donc là, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire, donc le Maroc, au final, c'est un pays qui a de nombreux atouts. Et l'atout principal, c'est qu'aujourd'hui, on souhaite devenir un pays, on ambitionne de devenir un pays émergent. Et cette ambition-là nous tire vers le haut. D'ailleurs, elle nous pousse aujourd'hui à analyser la structure économique du pays, le modèle du pays, etc. Ça, c'est bien. Mais pour ce faire, il faut qu'on garantisse les qualités des chances. Il faut qu'on construise des institutions politiques qui soient efficaces, qui permettent, qui contribuent plus au développement du pays. Un environnement des affaires qui soit adéquat, qui permet le développement des entreprises marocaines, des champions régionaux, à créer plus de richesses, et bien sûr à avoir une société qui est un peu plus solidaire, avec moins de polarisation. Donc on a besoin de construire un modèle économique qui bien sûr assure la croissance, que la croissance soit inclusive et durable, qui garantit l'égalité des chances, mais bien sûr qui doit favoriser l'individu, qui doit développer l'individu, qui doit faire que l'IDH se développe demain, qu'on arrive à des IDH qui sont plus développés. Donc, la dernière partie avant de conclure, plusieurs économistes ont fait une analyse, d'ailleurs marocains et étrangers, ont fait une analyse des contraintes que subit l'économie marocaine, et ils ont catégorisé ça en deux méga-contraintes. Je nomme les méta-contraintes, c'est les contraintes dont découlent les autres contraintes. Donc les méta-contraintes. On a dit qu'il y a deux méta-contraintes qui font que demain, même si on change de modèle de développement, on ne pourra pas le mettre en place, ce modèle de développement. Parce qu'on a des contraintes qui nous bloquent. On a des bâtons dans les roues qui font que demain, même si on change de cible et qu'on change de modèle et qu'on met en place une stratégie qui permette de mettre en place ce modèle, on ne pourra pas le faire parce qu'on a des contraintes. Je nomme les contraintes. La première contrainte, c'est la gouvernance économique. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on a un système électoral qui ne permet pas d'avoir de l'homogénéité et donc du coup, on a des coalitions qui sont hétéroclites, qui ne sont pas cohérentes. Et on a plusieurs acteurs non gouvernementaux qui, eux aussi, ils vont impacter les choix économiques du pays. Ça donne que le gouvernement aujourd'hui, les politiciens aujourd'hui, ne peuvent pas bâtir une stratégie de développement économique. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle ce n'est pas le gouvernement qui est en train de définir le modèle de gouvernement, de gouvernance économique. C'est une équipe à part qui est représentative de la société marocaine avec plusieurs gros calibres qui permet aujourd'hui d'élaborer ce modèle de gouvernance. Bien sûr, le gouvernement étant une partie prenante, mais ce n'est pas lui l'architecte de cette stratégie de développement, ce modèle de développement économique. Le deuxième point, c'est aujourd'hui, et ça on le voit très souvent, on va instrumentaliser l'institution royale pour éviter un certain nombre de débats. On va aller vers des modèles qui ne vont pas être débattus dans la société. D'accord, donc du coup on ne va pas avoir une adhésion de ces choix-là et qui vont être imposés en quelque sorte au peuple marocain. Et ça se matérialise aussi par un deuxième phénomène, c'est on externalise la définition de stratégie publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les politiciens, pour diverses raisons, font appel à des cabinets de conseil. Nous avons un cabinet de conseil, donc on sait de quoi on parle. Ces cabinets de conseil ont vocation à assister les gouvernements, les politiciens,
les acteurs gouvernementaux pour définir ces stratégies de développement, pour définir les modèles de développement et pour aider dans le choix de la décision. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui non seulement aident à définir cette stratégie-là, mais qui définissent ces stratégies-là. Et là, on peut prendre l'exemple de certaines stratégies sectorielles qui ont été définies par des gouvernements actuels et précédents, qui ont été définies par des cabinets de stratégie étrangers, par des consultants étrangers qui viennent mettre en place des modèles qui ne sont pas forcément adéquats avec la population marocaine ou avec les contraintes marocaines, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance marocaine. Bien sûr, ils ont un benchmark international qui est intéressant, mais qui ne permet pas demain de définir une stratégie qui est pertinente et qui est surtout adéquate pour le modèle marocain. Donc du coup, le deuxième point, c'est par rapport à l'économie politique qui peut s'avérer inefficace. Et là, certains analystes économiques sont beaucoup plus durs dans leurs mots. Ils parlent carrément d'analphabétisme économique. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'il y a une incompétence économique des décideurs publics. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions qui sont décorrélées avec la réalité économique. On va essayer de voir trois axes rapidement et ça va être avec ça qu'on va finir. Donc la première, c'est on va adopter des politiques vouées à l'échec en avance. Par exemple, on va prendre un cas très simple, c'est Mukawaleti. Il y a un programme étatique pour développer l'entrepreneuriat au Maroc. Un entrepreneur sait très bien que c'est pas avec des limites innocentes de penser que c'est grâce à un programme politique que quelqu'un va devenir entrepreneur. Entrepreneur, c'est une vocation. Bien sûr, l'État doit aider, accompagner, mais il est illusoire d'espérer qu'on peut former des entrepreneurs. C'est pas possible. La vocation, elle est innée. Bien sûr, après, on peut l'accompagner, on peut mettre en place des mécanismes, le CRI, par exemple, pour accompagner cette volonté entrepreneuriale, mais on va pas former les gens à devenir entrepreneurs. Ça, c'est pas possible, c'est une vocation. Le deuxième, c'est, par exemple, émergence. On s'est dit, on a deux secteurs qui sont l'offshoring et le textile, on va les accompagner. Il s'avère que ces deux secteurs-là, ils sont déjà dans une vitesse de croisière. Ils se développent actuellement d'une manière, avec la concurrence, avec la demande extérieure, avec la demande intérieure, ils arrivent à se développer. L'État n'a plus rien à faire comme étant État qui a choisi le libéralisme, n'a plus rien à faire dans ces secteurs-là qui ont déjà démarré. L'État, elle peut accompagner des domaines qui vont démarrer au Maroc, et c'est le cas par exemple des énergies renouvelables, mais dans des économies, des secteurs qui sont déjà établis, ça n'a pas de sens. Le deuxième point, c'est par rapport à l'État qui va aller investir dans le bâtiment. Et là, on est exemple de l'Armalan de CGI. Comment se fait-il que des organismes publics vont venir concurrencer des acteurs privés dans le BTP ? Qui n'ont pas les mêmes avantages, qui n'ont pas la même force de frappe, qui n'ont pas accès au financement au même taux que le Ramalan et CGI, et qu'on va venir concurrencer. Donc ça c'est affaibli le secteur du bâtiment au Maroc. De même pour le secteur financier, où un acteur comme la CDG est un acteur notable dans le domaine financier marocain, et qui va concurrencer des entreprises privées. Ou les entreprises étrangères qui vont s'installer au Maroc. Et après, on n'a que dormes qui ont été, des économies qui ont été mises en place dans les années précédentes, qui est par exemple le taux de change. Le taux de change aujourd'hui, c'est un taux de change qui est défavorable par rapport aux exportations. La Turquie, elle a dévalorisé sa monnaie de 30%, et ça donne des résultats. Aujourd'hui, au Maroc, on n'est pas dans cette dynamique-là. La libération du taux de change, c'est bien,
ça va permettre d'ajuster le taux de change pour qu'il devienne un peu plus souple pour accompagner les exportations. Ceci dit, les mécanismes de contrôle ne sont pas encore mis en œuvre. La politique fiscale, elle a une assiette, aujourd'hui au Maroc, on a une assiette fiscale qui est très restreinte et réduite. Des politiques de libre-échange qui ne sont pas forcément efficaces. On a vu le cas avec la Turquie, avec l'Union européenne, où l'avantage est clairement donné aux autres pays. Donc la négociation qui a mené à cet accord de libre-échange n'est pas forcément pertinente. Voilà, donc je vous remercie pour ce temps-là. Donc si, on va essayer de répondre à vos questions. Je vous remercie de me donner cette occasion-là. Alors, j'ai une question qui dit quel rôle a l'ingénieur, et notamment celui de l'ONG, dans la relance de l'économie marocaine? C'est une très bonne question. Donc, on va avoir deux rôles stratégiques à jouer. Et les ingénieurs, qui seront les bâtisseurs de l'économie de demain, ont un grand rôle. Le premier rôle, c'est participer activement élaborer le modèle de développement économique, le modèle de développement marocain. Aujourd'hui, on peut mettre en place des plateformes collaboratives qui permettent aux gens de participer, de donner leur avis sur le modèle qu'ils veulent pour le Maroc. C'est essentiel que tout le monde participe à ça. Ça permet d'adhérer à ce projet-là, ça permet d'aider le développement de ce projet-là, qui est la refonte du modèle stratégique de développement qui est très ambitieux. Et un ingénieur a toute sa place pour définir et pour aider à définir ce modèle-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on est en situation de crise et demain, l'économie, elle va être en mutation. On a besoin d'ingénieurs pour industrialiser, pour digitaliser les process, pour optimiser les process, pour revoir le secteur comme le secteur du bâtiment qui va fortement être impacté par cette crise-là. Donc voilà, grosso modo, c'est un ingénieur a besoin aujourd'hui d'être un acteur principal dans ce qui se passe. Un élève ingénieur se doit d'adhérer à ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Maroc, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau stratégique pour la définition du modèle économique. Il y a une deuxième question qui dit, avec la crise sanitaire actuelle, l'économie est impactée à tous les échelons. À votre avis, quels sont les axes stratégiques qui permettront la sortie de crise économique aux dynamisations de l'économie du Maroc? En fait, cette crise-là, elle a accéléré pas mal d'axes de développement au Maroc. C'est vrai qu'on est en crise aujourd'hui, mais c'est vrai aussi qu'on peut profiter de cette crise-là pour mettre en place pas mal de choses qu'on n'arrivait pas à mettre parce qu'on avait une réticence au changement. Parmi ces choses-là, c'est là on est en train de faire des séminaires via Internet et qui permettent à plein de gens de participer. On est aujourd'hui capable de faire de l'enseignement à distance. On a digitalisé pas mal de processus. L'administration marocaine s'est digitalisée d'une manière forcée. Alors que hier, on avait du mal à imaginer certains processus être digitalisés. Aujourd'hui, j'ai même vu que mes demandes de mariage peuvent se faire d'une manière digitalisée, ce qui est excellent. Donc demain, la seule manière de redynamiser l'économie, c'est d'accélérer cette tendance de digitalisation, d'accélérer cette tendance de transformation, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des acteurs économiques. On doit se transformer. On a raté le coche les années 2000 pour se transformer, se digitaliser
et sauf sur le niveau de technologie, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour se focaliser sur ça et essayer de faire ça. Après, il y a le rôle de l'État. L'État, il a besoin d'injecter beaucoup plus d'argent dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en manque de liquidités, sont en manque de trésorerie. Ils ont besoin aujourd'hui de liquidités. L'État a mis en place des crédits, des lignes de financement qui sont garanties par l'État. La mise en œuvre auprès des banques, et on en sait quelque chose, est très compliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régulateur marocain, que ce soit le régulateur bancaire marocain ou le régulateur financier, doit s'assurer de la mise en œuvre de ces politiques-là. Il ne suffit pas juste de dire que les banques sont là pour accompagner les entrepreneurs et entreprises marocaines dans la difficulté, mais il faut vraiment faire en sorte que ces banques-là jouent le jeu, ces institutions financières jouent le jeu pour pouvoir financer et refinancer l'économie. Parce que la finance, ça va être la clé pour la relance immédiate. Pour ne pas avoir de cassure au niveau du développement économique, on a besoin de ce coup de pouce financier. Et il va se faire via une politique volontariste de l'État, via Peuple Maghreb et via les institutions financières comme les banques qui vont redistribuer cet argent-là dans l'économie réelle. Donc, il y a une autre question qui est, est-ce que la crise Covid-19 aura des conséquences sur le nouvel modèle économique que devra adopter le Maroc? En effet, comme on vient de le dire, en fait, il y a une vraie dynamique de digitalisation qui est faite. Et donc, du coup, on peut voir les choses autrement aujourd'hui. On peut voir de l'enseignement à distance, on peut voir des processus digitalisés avec l'administration, etc. Mais on peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller, comme dans les pays nordiques, faire des modèles de développement économique sans cash. Aujourd'hui, on a vu comment l'État est là, distribuer les aides aux plus démunis, aux ramédistes et aux gens qui sont dans le secteur informel, via des guichets banques, etc. Demain, on peut mettre en place des modèles économiques avec zéro cash, où l'État, quand elle veut distribuer des aides, elle passe vers des canaux digitaux. Aujourd'hui, on est en train de développer le paiement mobile. Il est temps, aujourd'hui, d'aider ce moyen de paiement à se développer. C'est l'occasion rêvée de développer les moyens de paiement digitalisés. On parle aussi de virement instantané aujourd'hui. Il est temps de inclure ces réflexions-là, ce genre de paramètres, dans le nouveau modèle. Ou demain, on veut un Maroc sans cash. Ou demain, on veut un Maroc digitalisé. Ou demain, on veut un Maroc où les nouvelles technologies, les TIC, vont avoir un rôle plus prépondérant. Et c'est grâce au Covid-19 qu'on pourra se lancer sur des modèles audacieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être plus audacieux dans la définition du modèle. On peut aller plus loin que ce qu'on imaginait il y a 2-3 mois. Parce qu'il y a 2-3 mois, on n'imaginait pas qu'on pouvait vivre une situation où toute l'économie va s'arrêter. Et que s'il n'y avait pas une économie digitale en parallèle, on ne peut rien faire. Donc, dans le modèle de développement, on va forcément intégrer ce genre de réflexion dans la définition du modèle. Pensez-vous que la méthodologie de concertation adoptée par la commission sur le dossier est à même de dégager le modèle de développement souhaité? La commission est composée de gens très de pointure dans leur domaine respectif, c'est indéniable. C'est assez représentatif de l'élite marocaine. Ceci dit, on a besoin de l'implication du peuple marocain dans sa globalité. On a besoin de l'implication des ingénieurs, on en parlait tout à l'heure, on a besoin de l'implication des étudiants, des cadres supérieurs, des fonctionnaires, des différents secteurs, des entrepreneurs, des industriels, des commerçants, qui donnent leurs avis. Il faut qu'ils se manifestent. Ils se manifestent via des plateformes, des sites qu'on peut mettre en place pour donner notre avis. Si ce n'est pas fait par l'État, il faut que ce soit fait par nous. Si la commission
ne vient pas chercher l'information, il faut que nous, on soit capable, on soit moteur pour déployer cette information-là. Et le seul moyen, c'est qu'on ait, nous, une politique très volontariste. Ce qui ne sera, il faut pas toujours attendre que la commission soit moteur ou soit leader dans ce sujet-là. Il faut que nous-mêmes on arrive à faire cela. On a encore une autre question qui dit que malgré le taux de croissance réalisé au Maroc supérieur à 3% et la consolidation des infrastructures, les disparités régionales et sociales se creusent de plus en plus. La crise actuelle démontre combien notre système de santé est fragile. Est-ce que vous pensez que le nouveau modèle de développement peut répondre aux aspirations de la population dans le domaine de l'éducation, de la santé? Et si oui, à quel prix et comment? Il s'avère que dans le modèle, dans le nouveau modèle de développement, la santé et l'éducation sont les deux axes les plus critiques. Parce qu'il nous concerne tous, sans exception, et que c'est les piliers d'un développement humain, l'éducation et la santé. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer ce que ce serait l'éducation de demain. L'État, aujourd'hui, est incapable de gérer à elle-même l'éducation, pour une raison qu'on n'a pas encore développée, ou qu'on ne souhaite pas développer. Et donc, du coup, le privé est là pour pallier à ce manquement. L'État se désengage de certains domaines d'une manière officielle ou officieuse, et le secteur privé est là pour pallier à ce manquement. Heureusement, d'ailleurs, que nous avons un secteur privé qui est capable de prendre le relais et de remplir les lacunes que l'État n'arrive pas à remplir. Après, est-ce que c'est un modèle cible qu'on souhaite avoir dans les années à venir? Dans les années futures, est-ce que demain on peut développer, voir un modèle de partenariat public-privé qui va faire que demain on va avoir un enseignement de qualité qui est accessible, y compris à des personnes à faible revenu? Est-ce que demain l'enseignement privé va permettre l'inclusion sociale? Est-ce que demain il va permettre le développement humain? C'est tout ce qu'on veut, mais c'est encore à définir. Moi, c'est mon point de vue, qu'on ne peut pas avoir demain une éducation ou un système de santé public uniquement à 100% ou privé à 100%. Il faut absolument qu'il y ait les deux. C'est mon point de vue. Je vous invite, vous aussi, à partager votre point de vue là-dessus et à faire en sorte qu'il soit audible, hein, via des plateformes d'échange, via les réseaux sociaux, via des articles en presse, via voilà, qu'on puisse, nous, à notre niveau, animer ce débat-là. Ceci dit, la croissance réalisée au Maroc aujourd'hui ne nous permet pas, et ça c'est indéniable, d'avancer sur nos choix stratégiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ce qu'on veut, on n'a pas aujourd'hui les moyens financiers, économiques pour atteindre ces objectifs-là. Alors, l'économie circulaire sera bien prise en compte dans ce nouveau modèle économique, on l'espère. L'économie circulaire étant une réponse très adaptée à l'économie dite solidaire et surtout avec les contraintes qu'on a aujourd'hui de l'économie, d'économie verte et autres, il serait très préférable d'avoir ce genre d'économie inscrite dans le modèle de développement économique. Quels sont les dispositifs et mécanismes à mettre en place pour favoriser l'économie circulaire dans ce nouveau modèle économique? Quels sont les dispositifs et mécanismes à mettre en place pour favoriser l'économie circulaire dans ce nouveau modèle économique? Je pense que l'État doit mettre en place un cadre institutionnel pour pouvoir développer ce genre de pratique. L'État a comme rôle de définir ce framework pour que, après, les privés, le secteur privé
puisse s'inscrire dans ce framework-là. Après, comment on peut définir ce framework, comment on peut l'établir, je pense que c'est un sujet qui mérite une réflexion. Merci, c'est vraiment, c'est vous très riche, très enchanté que vous avez fait des initiatives de décideurs. Merci, c'est Suisse. D'abord, je vous remercie pour la convention. Est très enrichissant. Donc, je vois, grâce à cette pandémie, le Maroc peut détecter des zones de défaillance de leur mode de développement qui sont relatives à l'éducation, la santé et le domaine d'emploi. Donc, à partir de ces remarques, on peut dire qu'avant de penser au développement économique, il faut d'abord s'intéresser à remédier à ces lacunes. Tout à fait. Je pense vraiment que rien n'empêche de définir une stratégie, un modèle. Rien n'empêche cela. On peut travailler sur un modèle dès maintenant. On peut se dire que dans 30 ans, voilà ce qu'on veut, avoir une vision claire de ce qu'on veut dans 30 ans, ou même avant, définir une cible. Après, si on ne s'attaque pas à ces contraintes, la cible ne sera pas mise en place, on ne pourra pas mettre en place ce modèle-là. Donc, on peut très bien paralléliser, définir une cible et s'attaquer à ces contraintes-là. Mais bien sûr, si on ne sert pas à ces contraintes, on aura exactement le même résultat. Parce qu'on peut toujours rester avec ce modèle-là, revoir les contraintes, revoir un peu la stratégie et arriver avec un résultat qui est meilleur. Une dernière question. Dans ce contexte Covid-19, est-ce que les entreprises doivent couper les moyens moteurs pour essuyer les EBIT et les ratios financiers ou maintenir ces derniers dans un cadre d'incertitude? La question centrale, à mon goût, hein, encore une fois, c'est mon avis personnel, les entreprises, pour pouvoir repartir sur une base saine, il faut que la confiance soit de mise. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la confiance. On a un manque de confiance. On aura du mal à envisager quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas de confiance. Le bénéfice de l'entreprise, si on pense à l'instant T et à l'incertitude qu'on a, on aura du mal à imaginer à quoi vont ressembler les équilibres financiers, les ratios financiers de l'entreprise, y compris le bénéfice. Si la confiance va revenir, ce genre de questions, on ne va même plus se poser, parce que ça va redevenir ce qu'on appelle le business as usual. Mais c'est vrai que dans un cadre d'incertitude, on aura du mal à se projeter, on aura du mal à repartir sur une dynamique de bénéfices et de gains. Alors, merci Sirachid, exposé à cette assistante, mais avec une question. Est-ce que la politique d'ouverture du Maroc sur l'Afrique pourra participer au nouveau modèle de développement économique? C'est clair, l'Afrique c'est une pierre angulaire. Il faut que la dépendance qu'on a développée vis-à-vis de l'Europe, et plus particulièrement de la France et de l'Espagne, change. Et le seul moyen de changer cela, c'est en se tournant vers l'Afrique. Parce que c'est la région avec laquelle on a le plus de liens, on a le plus d'affinités, où on a intérêt à développer une économie avec ces pays-là. Parce qu'il y a une relation sud-sud gagnant-gagnant, ce qui n'est pas le cas avec les partenaires européens aujourd'hui. Forcément, le modèle africain, le partenaire africain sera le partenaire de choix, de référence, dans ce modèle-là. On a déjà commencé, c'est quelque chose qui a déjà été initié. Les acteurs économiques privés attaquent le marché africain d'une manière plus dynamique, mais il faut vraiment qu'on arrive à développer encore plus ce modèle-là. Merci, Chakaï. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ou si vous souhaitez qu'on s'arrête là. Je pense qu'il y a une question, M. Ouzel.
Alors, Sarah, je vous remercie, M. Hamad, pour la qualité de votre question. Merci, Sarah, merci à vous. Alors, alors, quelles sont, à votre avis, les mesures qui pourront être prises pour supprimer les méta-contraintes posées au développement économique? Pour les deux méta-contraintes qu'on a citées, sur lesquelles plusieurs économistes et plusieurs spécialistes experts se mettent d'accord, il faut vraiment avoir une volonté politique derrière ces deux-là. C'est des contraintes qui ne pourront sauter ou pourront être déverrouillées qu'avec une forte volonté politique, avec un changement radical de la politique aujourd'hui. Une forte régulation du secteur financier, télécom ou autre ne peut se faire que si on a une gouvernance politique et économique qui est forte, qui est claire. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Et c'est dû à plusieurs paramètres, mais le paramètre essentiel à mon goût, hein, c'est mon avis personnel, c'est la volonté politique qui est derrière. Si la volonté politique n'est pas assez forte pour changer cela, on aura du mal à changer cela. Il faut une volonté politique pour que l'État se désengage du bâtiment, du BTP. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique pour que l'État, elle s'est désengagée hier de télécom, elle peut faire de même et se désengager du bâtiment. Elle peut faire de même et se désengager du secteur financier. Elle peut faire de même et ne garder que ce rôle de régulateur. Mais s'il n'y a pas une forte volonté politique, la gouvernance politique ne sera pas au rendez-vous, l'action politique ne sera pas efficace, etc. Alors, je vous demande si vous pouvez expliquer comment l'adoption de politiques publiques vouées d'avance à l'échec, comme au Kawalati, peuvent constituer une contrainte au développement économique. Alors, c'est simple. C'est simple. Quand l'État définit des stratégies publiques de développement comme Mukhawalati, comme émergence, comme Maroc vert, ces politiques-là sont des politiques consommatrices de flux financiers. C'est des stratégies pour lesquelles on va allouer beaucoup d'argent. C'est des stratégies qu'on va définir, pour lesquelles on va allouer beaucoup d'argent, beaucoup de budget. Ce budget sera consommé et le résultat ne sera pas au rendez-vous. Si on veut demain te donner les moyens de mettre en place un nouveau modèle économique, il faut qu'on utilise d'une manière plus rigoureuse nos moyens financiers. Surtout qu'on n'en a pas beaucoup. On n'est pas un pays pétrolier, on n'est pas un pays où il y a de l'or avec abondance. Non. Utiliser nos moyens financiers avec d'une manière plus sage et plus... voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez... il y a une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dépendance. Le Maroc est un pays fortement dépendant de l'étranger pour combler les besoins que pour assurer la survie de plusieurs de ses secteurs économiques. C'est une faiblesse, car une crise de virus, tous les pays ferment ses frontières. Il est clair que même les relations entre les pays vont subir de forts changements. Je pense que vraiment, on doit faire attention à les conséquences et revoir notre modèle. Que pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Manel. Madame Lemski, ça peut être une question de survie. Surtout la dépendance en eau, en denrées alimentaires, en médicaments. On est aujourd'hui indépendant sur pas mal de points, mais on ne peut pas demain imaginer qu'on peut vivre en îlot. Sans importation de l'étranger. On a besoin des matières premières, on a besoin des produits finis, on a besoin des denrées agricoles. Aujourd'hui, le blé dur, qui est un des produits les plus consommés au Maroc, il est importé des États-Unis, de France, etc., de Chine, etc. On a besoin d'être indépendant, c'est stratégique pour nous. La survie du pays en découle.
on doit faire en sorte que de rendre certains, d'ailleurs la question se pose aussi en Europe, où les médicaments se fabriquent en Asie, en Inde et en Chine. Aujourd'hui, ils sont fortement dépendants de ces pays-là. Pour la fabrication des masques, c'est un sujet d'actualité, plusieurs de ces pays-là n'ont pas la matière première, n'ont pas la technologie, n'ont pas les usines pour le faire. Même s'ils ont le savoir-faire, ils n'ont pas l'usine, parce qu'ils ont opté pour la délocalisation. On a besoin d'avoir des secteurs souverains qu'on pilote nous-mêmes. Alors, je confirme votre intervention. En dépit des efforts consentis par l'État, son modèle économique de développement et socio-économique souffre de plusieurs fragilités et dysfonctionnements, éprouve une grande difficulté à atteindre les objectifs escomptés et manque d'une vision à long terme et d'une planification stratégique axée sur les résultats. Vous avez fait ça. Il s'avère que aujourd'hui, on se dit qu'on a un modèle néolibéral capitalistique avec une composante keynésienne, mais je ne pense pas qu'au Maroc, sauf erreur de ma part, a fait ce travail de réflexion à large échelle pour définir son modèle de développement. Je pense que c'est inédit au Maroc et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Aujourd'hui, on se met autour d'une table, on a une commission qui travaille sur un nouveau modèle économique. J'espère que cette commission-là pourra trouver le moyen de faire intervenir un maximum de personnes et qu'on soit nous-mêmes force de proposition. Je pense que c'est une chance historique de pouvoir définir le modèle économique pour la génération future. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, avec notre modèle actuel, les choses vont changer, mais très doucement. On a besoin d'une rupture. Ce qu'on disait sur la première partie de la présentation. Je ne sais pas. Alors, s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Donc, je pense que c'est l'ensemble des questions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, allez-y. À votre avis, l'accélération de notre économie, est-ce que vous ne voyez pas que c'est de la mauvaise estimation des ondes de certains paramètres, parmi les paramètres qui sont dus à notre propre nature et à notre géopolitique? Pardon, j'ai mal entendu. Est-ce que c'est dû à c'est-à-dire qu'on calcule mal le PIB, c'est ça? Non, c'est pas un mauvais calcul. Peut-être à des paramètres qu'on n'a pas pris en considération. C'est-à-dire, à quoi vous pensez? Je pense bien sûr que, par exemple, tout à l'heure, quand vous avez comparé la Malaisie au Maroc, les facteurs géopolitiques ou bien démographiques ne sont pas les seuls. Alors, quand on va comparer tout à l'heure avec la Malaisie, il s'avère qu'ils ont le même. C'est vrai qu'on a pas mal de paramètres qui sont comparables, mais c'est pas la même. C'est pas forcément un exemple parfait. C'est-à-dire que ils n'ont pas le même positionnement avec la même histoire, le même positionnement avec l'Afrique, l'Europe et l'Afrique. Ils n'ont pas les mêmes partenariats qui sont scellés. C'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qui sont pas là. Mais structurellement, c'est un pays qui a plus ou moins les mêmes richesses naturelles que nous et qui a la même densité qu'au Maroc. Donc du coup, pour moi, c'était un exemple pertinent.
Mais c'est vrai que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même géographie, ce n'est pas les mêmes contraintes culturelles, ce n'est pas la même population. Il y a pas mal de paramètres, c'est vrai, qui sont comparables. Oui, ça juste pour vous montrer question bien. Ce que je voulais vous dire par ma question, en fait, c'est pas que vous avez soi-disant la manette de orienter cette politique économique de Maroc. À quoi vous, pourrez, vous pensez qu'elle sera davantage un peu aider notre accélération? À quoi vous pensez qu'il faut investir le plus? Pour reprendre le modèle de la Malaisie, eux, ils ont vraiment mis le paquet sur le développement humain. C'est vraiment le facteur essentiel dans chaque modèle de développement, c'est le facteur humain. On ne peut pas demain se développer si on garde un taux d'analphabétisme qui est aussi fort. On ne peut pas garder ça avec un système de santé qui est défaillant. Moi, si j'ai mon avis à donner, c'est mettre les moyens financiers et prioriser l'action sur le développement humain d'une manière peut-être plus pertinente et plus ciblée. On est en train de parler de l'éducation préscolaire, c'est excellent. On peut parler après de l'enseignement primaire, comment on peut le revoir, comment on peut généraliser, comment on peut le rendre obligatoire, mais appliquer ça. C'est un droit aujourd'hui l'éducation au Maroc. Mais c'est, dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on peut développer l'humain pour que lui, il puisse développer l'économie demain. C'est ça pour moi un modèle de développement pertinent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. C'est exactement ça. Comment convaincre les gens? Pardon? Je disais, il y a une autre question. Quel cadre théorique économique est le plus adéquat pour un meilleur développement économique au Maroc? Pour moi, le modèle en lui-même qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais modèle. Qu'on soit sur un modèle néolibéraliste avec une intervention de l'État pour maîtriser l'inflation, l'emploi et tout ce qui est social, c'est un bon modèle. Il y a certains paramètres qu'on a mal appliqués au Maroc. Donc on peut rester sur ce modèle-là. Mais mettre en place des vrais... tout à l'heure, on a parlé de la régulation. Aujourd'hui, les marchés financiers, ils sont régulés via un organisme, que je ne citerai pas, qui permet de régulariser les actions dans le service financier. Par exemple, les délits d'initiés. On a un délit d'initié. Comment on fait pour contrôler que dans les salles de marché, on n'a pas de délit d'initié? C'est quoi délit d'initié? C'est que moi, je vais appeler mon ami et lui dire, attention, il va y avoir une option d'achat sur l'action, elle va faire plus 30%, et lui, il va aller acheter l'action avant qu'elle fasse 30%, ou l'inverse. Il faut qu'aujourd'hui, ces mécanismes de régulation soient présents, soient forts, qu'ils punissent les entreprises, qu'ils ne jouent pas le jeu. Pour les télécoms, la même chose, il faut qu'on soit capable d'avoir un régulateur qui soit présent, qui soit fort. Pour la concurrence, et là on a, c'est un sujet aussi d'actualité, on a besoin d'avoir un régulateur de la concurrence. On est censé avoir une économie libérale, il ne faut pas qu'il y ait des ententes. Si jamais on a une entente entre deux acteurs économiques, on n'est plus sur du néolibéralisme. On n'est plus sur une économie ouverte. On n'est plus sur une économie de marché. Et l'État doit mettre en place des mécanismes qui permettent ce genre de concurrence, de mécanismes de concurrence et autres. On ne peut pas se vendre être libéral et ne pas mettre en place des garde-fous qui garantissent ce libéralisme. Et donc, tant qu'on n'a pas ces fondements-là,
On peut revoir le modèle, bien sûr, dans le détail, mais garder les grandes lignes. Les grandes lignes, on ne va pas demain se fermer sur nous, on ne va pas demain devenir la Corée du Nord. C'est pas l'idée. Donc voilà, on peut rester sur ce modèle-là, mais aller sur des mécanismes qui permettent la mise en place, une stratégie qui permet la mise en place de ce genre de modèle. Alors, la pandémie actuellement crée la dépendance économique de tous les pays de la Chine. La Chine tient économiquement en otage même les grandes puissances, comme le Maroc doit repenser son économie et la dépendance future. Je pense que le plus grand gagnant de cette crise-là, c'est bien la Chine. S'il y a un seul gagnant aujourd'hui, qui est déjà là, c'est la Chine, qui montre aujourd'hui que tout le monde est dépendant d'elle. Que pour l'industrie pharmaceutique mondiale, les matières premières et les matières semi-finies et les matières finies et les produits finis proviennent de la Chine. Même pour une puissance européenne, si la Chine ne lui envoie pas les masques, demain ils ne pourront pas faire le déconfinement. Nous, à notre niveau, il faut qu'on pense ça comme étant qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Un PCA dans une entreprise, on se dit le jour où il y a une crise, quelles sont les fonctions critiques qu'on doit maintenir et ce qu'on appelle le business continuity plan. Il faut vraiment qu'on pense au Maroc comme étant une entreprise et en cas de crise, c'est quoi ces fonctions, ces secteurs stratégiques qu'on doit avoir, c'est quoi ces matières premières qu'on doit avoir pour pouvoir tenir pendant une crise, pour pouvoir dépasser une crise, que ce soit une crise économique, sociale, pandémie, une guerre, il faut qu'on repense ça. Et dans le modèle, il faut qu'on pense à une économie avec un plan de continuité, une économie qui ne s'arrête jamais. À vrai dire, l'économie marocaine, elle a réussi en partie le test. On est beaucoup moins dépendant d'autres pays que d'autres pays qui ont abandonné l'industrie. Mais on développe encore une dépendance vis-à-vis d'autres pays. Le modèle est une vision et la vision qui permet la vision doit être alignée avec le système de valeurs ou d'idéologie partagée. Alors, je suis très d'accord avec vous. Si on a un modèle qui est décorrélé par rapport à ce qu'on est, à notre identité, à notre, à notre culture, à notre histoire, on aura du mal. Ceci dit, on a un ensemble de sensibilités qui varient, comme on l'a dit tout à l'heure avec les élites politiques. Dans les élites politiques, on a des élites qui vont être plus conservateurs, d'autres qui vont plus chercher l'ouverture, d'autres qui vont chercher des changements profonds sociétals. Et d'autres qui vont chercher un conservatisme. Donc, bien sûr, il faut être en accord avec nos principes, qui sont les principes structurants de l'identité marocaine. Et ça, c'est, qui est une identité qui est forte, puisque ce n'est pas un pays récent, le Maroc. Ceci dit, il faut composer avec les différentes nuances, les différents courants qu'on peut avoir au Maroc. Le Maroc n'est pas un pays aussi homogène que ça. C'est un pays que je trouve, moi, la vérité, que je trouve assez hétéroclite, de par son histoire, de par sa culture. Et donc, du coup, de par aussi les influences qu'on peut avoir, que ce soit des influences européennes, des influences orientales, des influences arabes, des influences africaines, ou autre, on a plusieurs influences qui font que aujourd'hui, les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et c'est ça l'avantage d'avoir un exercice pareil, c'est de pouvoir se poser ces questions-là et de pouvoir voir c'est quoi les points communs qu'on a dans la société. Qu'est-ce qui va permettre de converger, qu'est-ce qui va au contraire faire diverger la société et essayer de construire autant autour des points de convergence. Et ne pas aller sur des points de divergence, surtout sociétal. Hein, quand il s'agit de sujets sociétaux, les divergences sont énormes. Et donc, il faut vraiment construire sur des petits points communs.
Voilà, donc je pense qu'on a eu suffisamment de questions, donc très riches. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, on va clôturer notre séminaire. Oui, madame Zani. Voilà, je pense que donc, c'est bon. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce séminaire. Donc, je réitère au nom de l'EMG mes vifs remerciements à Sir Omar Ben Yahia. Merci, madame Zani. C'est un excellent partage, riche en informations. Enfin, sur ce sujet, bien sûr, d'actualité, et surtout pendant cette situation de confinement actuel, où l'économie a un impact important en fait, à tous les échelons. Donc, merci, M. Ben Yahia, pour votre exposé. Il était très consistant. Donc, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Ça fait grand plaisir. Merci, bien sûr, à nos participants pour leur présence, leur échange et questions très pertinentes sur le chat. Donc, merci encore une fois à vous tous et puis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour un nouvel événement. Donc, merci, madame Ouzani. Inch'Allah. Merci, Sébé Hia. Merci, Sébé. Donc, de ma part, j'ai trouvé ça très, très riche en informations, en connaissances. Le sujet est très complexe malgré ce qu'on a appris, etc. Donc, je salue l'excellent esprit de synthèse que vous aviez et l'esprit pédagogique qui nous a permis de suivre donc, la complexité du développement économique. Et donc, Ramadan Moubarak, merci encore une fois. Merci à vous, Zidi. Merci à vous, avec un plaisir. C'est un plaisir, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Bonne journée. Assalamu alaikum. Merci. Au revoir.